À l'occasion de la journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le président Tô Lâm a rendu visite à des journalistes chevronnés. Le premier centre national de certification halal au Vietnam a été créé pour aider les produits vietnamiens à mieux pénétrer ce marché potentiel. Sur l'île de Trường Sa, les jeunes soldats s'entraînent jour et nuit pour mener à bien leur tâche de défendre la souveraineté insulaire et maritime de la patrie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce mercredi, à l'Assemblée nationale, les députés ont discuté du programme national sur le développement culturel pour la période 2025-2035. Les députés ont souligné l'urgence d'élaborer un programme national ciblé pour le développement culturel et ont apporté de nombreuses idées pour affiner le projet. Certains députés se sont opposés à la définition d'objectifs spécifiques pour investir dans les centres culturels à l'étranger, alors que les ressources sont encore limitées. Ils ont également suggéré de discuter et d'approuver le programme au cours de deux sessions de l'Assemblée nationale pour garantir sa qualité et sa faisabilité. Ce mercredi également, l'Assemblée nationale a discuté des projets de loi sur la prévention des incendies et des sauvetages, ainsi que sur la défense anti-aérienne. À l'occasion de la journée de la presse révolutionnaire vietnamienne le 21 juin, ce mercredi après-midi à Hanoï, le président de la République, Tô Lâm, a rendu visite à des journalistes chevronnés. Il a rencontré Hồ Tiến Nghị, ancien assistant du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et ancien directeur général de l'Agence vietnamienne d'information, Hà Đăng, ancien chef de la Commission centrale de l'idéologie et de la culture, Vũ Văn Hiến, ancien directeur général de la télévision du Vietnam, et Phan Quang, ancien président de l'Association des journalistes vietnamiens et ancien directeur général de la Voix du Vietnam. En formulant ses meilleurs voeux à ses journalistes chevronnés, Tô Lâm a affirmé que le parti et l'État reconnaissent les contributions des journalistes au développement de la presse ainsi qu'à l'édification et à la défense nationale. De leur côté, les journalistes ont promis de continuer de promouvoir la tradition du journalisme révolutionnaire, de participer à l'éducation de la jeune génération et de contribuer activement au développement national. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce mercredi après-midi Alexei Likachev, directeur général de la Société nationale russe de l'énergie atomique Rosatom, leader mondial dans le domaine de l'industrie nucléaire. Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam valorise et souhaite toujours promouvoir le partenariat stratégique global avec la Fédération de Russie, afin de renforcer la coopération scientifique et technologique entre les deux pays. Le Premier ministre a proposé que les deux parties développent un plan de coopération à long terme dans le domaine de l'énergie atomique pour le bénéfice commun des deux nations et des deux pays. Le directeur général du groupe Rosatom s'est, quant à lui, réjoui de l'amitié et de la coopération de plus en plus fructueuse entre les deux pays. Il a affirmé son désir de continuer à promouvoir la coopération avec la partie vietnamienne dans des domaines spécifiques du domaine de l'énergie atomique, comme l'a commenté le Premier ministre. Les relations d'amitié et de confiance entre le Vietnam et la Russie ont été bâties depuis plusieurs années par des générations de leaders et d'habitants des deux pays, malgré les épreuves du temps et les bouleversements de l'histoire. Les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau, permettent de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, créant une base pour stimuler et élargir la coopération bilatérale dans les temps à venir. Située sur les rives de la mer Noire, la ville de Sotchi est le lieu où le président russe Poutine accueille les dirigeants des grands pays et ses partenaires importants de la Russie. En 2014 et 2018, des rencontres amicales ont eu lieu à cet endroit entre le secrétaire général du PCV Nguyễn Phú Trọng et le président Vladimir Poutine. À partir de là, une série de documents de coopération bilatérale ont été signés, en plus d'une déclaration conjointe.
Cela a donné un nouvel élan à l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Cette année, le Vietnam et la Russie célèbrent le 30e anniversaire de la signature du traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam-Russie. La chose la plus importante et la plus précieuse que nous ayons est la foi. À cela s'ajoute le fondement historique qui a créé un lien durable dans les relations entre les deux pays. En plus du fondement historique, l'amitié entre la Russie et le Vietnam se construit également sur la base des relations humaines. Ce sont les générations d'étudiants et de travailleurs vietnamiens en Russie et ce sont les milliers d'experts soviétiques qui étaient présents au Vietnam pendant la guerre ainsi que lors de la construction du pays. Je vois qu'il y a une harmonie dans l'esprit des Russes et des Vietnamiens. Il est vrai que même si les deux pays sont éloignés géographiquement, ils sont très proches spirituellement. Un dicton de l'époque soviétique, mais toujours bien réel aujourd'hui. En juin 2023, pour commémorer le 100e anniversaire de la première arrivée de l'oncle Ho en Russie soviétique, le monument dédié au président Ho Chi Minh a été inauguré dans la ville portuaire de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, l'empreinte de l'oncle Ho ainsi que l'empreinte du Vietnam sont encore visibles partout en Russie. Si le paysage et le peuple russe ont été profondément imprimés dans l'esprit de nombreuses générations vietnamiennes, alors le Vietnam occupe aussi une place particulière pour de nombreux Russes. J'ai découvert le Vietnam pendant la période la plus difficile, jusqu'à ce que le pays devienne de plus en plus développé. Je me souviens toujours du Vietnam. Le Vietnam était et sera toujours présent dans ma vie. Évidemment, il y a de nombreux moments où le Vietnam me manque et je me plonge dans ses souvenirs. C'est peut-être parce que j'ai en partie absorbé la culture et le mode de vie vietnamien. À travers les hauts et les bas de l'histoire, l'amitié qui transcende l'espace et le temps est devenue un atout précieux pour les peuples vietnamiens et russes. Avec beaucoup d'enthousiasme et d'effort, de nombreuses générations de Russes et de Vietnamiens continuent d'entretenir et de développer cette amitié particulière. On estime qu'au cours des 6 premiers mois de cette année, le produit intérieur brut régional de Hanoï a augmenté de 6%, soit une légère augmentation par rapport à la même période de l'année dernière. Selon l'évaluation du Comité populaire de Hanoï, tous les secteurs économiques ont connu une évolution positive. À l'exception des services, les autres secteurs ont connu une croissance supérieure à celle de la même période. Le secteur de l'industrie et de la construction a augmenté de plus de 5%. Le secteur de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche a augmenté de près de 3%. L'équilibre des recettes et des dépenses budgétaires est également garanti. On estime qu'au cours des 6 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires des exportations de Hanoï a atteint plus de 8,6 millions de dollars, soit une augmentation de 8,8%. Le marché de consommation des produits halal compte près de 2 milliards de personnes. Cependant, le Vietnam détient une très petite part de marché dans la chaîne d'approvisionnement de ce vaste marché. Récemment, le premier centre national de certification halal au Vietnam a été créé pour aider les produits vietnamiens à mieux pénétrer ce marché potentiel et promouvoir efficacement le commerce et les investissements avec les pays musulmans. Pour que les produits vietnamiens puissent entrer sur les marchés des pays musulmans, ils doivent avoir une certification halal. Le Centre national de certification halal est un lieu permettant d'évaluer et de certifier les produits, de fournir des informations et de connecter les entreprises vietnamiennes au marché halal. Le centre assure des activités de certification halal conformément aux normes et pratiques internationales. Nous travaillons et coopérons avec les pays musulmans. Les agences de gestion de la certification halal sont toutes des agences d'État. Cette entreprise de fabrication de boissons a converti l'ensemble de son modèle de production de produits conventionnels vers les produits halal à partir de 2022 afin d'élargir de nouveaux marchés. Cependant, elle rencontre des difficultés lorsqu'elle doit réévaluer chaque année la qualité des produits à des coûts élevés. Grâce au soutien du Centre de certification halal du Vietnam, les entreprises ont pu réduire leurs délais de négociation.
La création du Centre national de certification halal démontre l'intérêt de l'État à accompagner les entreprises vers l'obtention de la certification halal. Cela crée des conditions favorables pour que nous puissions exporter nos produits vers d'autres pays et rencontrer directement des entreprises étrangères souhaitant importer des produits halal. Quant à M. Ali Al-Sayeg, propriétaire d'une entreprise d'import-export au Koweït, il a 15 ans d'expérience au Vietnam. Grâce à ce centre, il reçoit des informations fiables sur le marché pour promouvoir la coopération, en réduisant les coûts des intrants lors de l'importation de matières premières et de produits du Vietnam. Les musulmans sont très préoccupés par le processus de transformation et n'achètent que des produits portant un label de certification halal. Les réglementations en matière d'exportation doivent être conformes aux normes. Ce centre aidera les entreprises à se conformer aux normes et à mieux comprendre le marché. Le marché halal est largement distribué des pays musulmans aux pays non musulmans. Le Vietnam n'a pas bien exploité ce marché en raison de défis réglementaires. Garantir les normes de production est un facteur clé pour que les produits vietnamiens présentent davantage dans les rayons des magasins des pays musulmans. La vente de produits d'origine inconnue s'aggrave de jour en jour. La transparence des produits est donc indispensable. Comprendre clairement les informations sur les produits aide non seulement les entreprises à protéger leur marque, les consommateurs peuvent éviter de perdre de l'argent et d'acheter des produits de mauvaise qualité. Avec un smartphone, en deux secondes, toutes les informations sur le produit s'affichent. L'habitude de retracer l'origine des produits lors de l'achat est devenue une tendance de consommation intelligente. Nous sommes prêtes à dépenser un peu plus d'argent pour en savoir plus sur le produit et prendre des décisions d'achat plus rapides. La traçabilité augmente non seulement la confiance des consommateurs, mais aide également à prévenir la fraude commerciale et contribue à développer les marques des produits vietnamiens. Les entreprises sont également encouragées à fabriquer des produits de haute qualité. La transparence de l'information a permis à nos revenus d'augmenter de 30% par rapport à l'année précédente. Cela nous aide à accorder plus d'attention à la qualité. Dans les temps à venir, les systèmes de traçabilité nationaux et internationaux seront connectés via le portail national d'information sur la traçabilité des produits. Plus de 4000 entreprises ont participé à des opérations expérimentales depuis fin 2023. Les organisations et individus produisant, commercialisant et fournissant des services assurant la traçabilité des marchandises doivent garantir au moins 10 informations. Ceci est considéré comme le rôle central de l'écosystème de traçabilité avec la participation de toutes les parties de la chaîne d'approvisionnement. Le portail gérera et mettra à jour les bases de données nationales et internationales sur les produits et les marchandises. Le portail d'information s'appuie également sur des rapports et des données statistiques pour aider les agences de gestion à élaborer des politiques opportunes et appropriées. Le portail de traçabilité des produits peut accompagner plus de 70 000 entreprises. Une fois opérationnel, le portail sera en mesure de calculer les émissions de carbone et de gaz à effet de serre pour un grand nombre de produits. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la Bourse du Vietnam. La zone dépressionnaire à l'ouest s'accentue pour mercredi et jeudi. La vague de chaleur qui en résulte devrait se propager à tout le nord. Mercredi après-midi, dans les Midlands, le Delta Nord, Hoa Binh et de Bình Định à Ninh Thuận, on peut s'attendre à des températures de 36 à 38 degrés Celsius. Dans certains endroits, les thermomètres dépasseront les 38 degrés Celsius. Les températures les plus chaudes s'attendront de Thanh Hóa à Quảng Ngãi, avec certains endroits particulièrement chauds à plus de 39 degrés Celsius.
À partir de jeudi, ce sera au tour des zones montagneuses du nord d'être frappées par la chaleur. Alors que la vague de chaleur devrait durer plusieurs jours, il existe des risques d'incendie dans les zones résidentielles en raison de la demande accrue d'électricité et des incendies de forêt dans les zones rurales boisées. Sur l'île de Cheongsa Spratly, les jeunes soldats s'entraînent jour et nuit sous la pluie et le soleil pour mener à bien leur tâche de défendre la souveraineté insulaire et maritime de la patrie. En toutes circonstances, ils conservent les vertus des soldats de l'Oncle Ho. Braves et fidèles, ils sont toujours fiers d'être des soldats de Cheongsa. Depuis son enfance, le lieutenant Nguyễn Hữu Hành rêvait de devenir un soldat. C'est la première fois qu'il était en mission sur l'archipel de Cheongsa. Plus de défis, plus de responsabilités, mais cela s'accompagne d'un honneur incomparable. Je suis fier d'être un soldat de Truongsa. Sur cette île lointaine, ma famille me manque beaucoup, les infrastructures sont pauvres, mais je m'efforce de mener à bien la tâche de protection de la mer et des îles sacrées de la patrie. Quant au lieutenant-colonel Lê Ngọc Nam, c'est la cinquième année consécutive qu'il est en mission à Cheongsa. Ces cinq années marquent un jalon particulier dans sa carrière militaire. Il consacre beaucoup de temps et d'efforts à entraîner les jeunes soldats, les aidant à perfectionner chaque mouvement, chaque posture et l'expression du visage. Ainsi, les jeunes soldats deviennent plus fermes, plus déterminés et plus diligents dans l'exécution des tâches. C'est un grand honneur et une grande fierté pour moi d'être affecté à Truongsa. Je me sens responsable de la tâche de protéger les îles lointaines, une partie sacrée de la patrie. Tant qu'il y aura des soldats, les îles seront protégées. Les soldats sont toujours prêts à se sacrifier pour la patrie. Les soldats sont formés et éduqués dans le patriotisme et la fierté. Cheongsa change de jour en jour grâce aux politiques du parti, de l'État, de l'armée et de tout le peuple. Les soldats en mission sur les îles continuent de faire valoir l'héroïsme révolutionnaire et de perpétuer la tradition de lutte et l'esprit indomptable du peuple vietnamien. À partir de cet été, les Hanoïens et les touristes venant à Hanoï pourront expérimenter le vol en montgolfière, un service qui vient d'être autorisé par les deux autorités municipales. Les visiteurs peuvent voler à plusieurs centaines de mètres de hauteur en admirant les sites pittoresques de la capitale d'en haut. Nous en saurons plus sur ce service touristique sans précédent à Hanoï. Cette montgolfière peut voler à une altitude de 300 mètres dans un rayon de 5 km depuis le stade de Son Tay. Les visiteurs peuvent capturer le panorama des sites pittoresques tels que l'ancienne citadelle de Son Tay, l'ancien village de Đường Lâm ou le parc national de Ba Vì. C'est une expérience inédite, hors de mon imagination. Cette zone patrimoniale est déjà très belle, mais voir tous les sites de haut est merveilleux. D'une hauteur allant jusqu'à 27 mètres, chaque montgolfière peut transporter 12 personnes. Ce service de vol libre en montgolfière dépend fortement de la météo et de l'expertise des pilotes et des techniciens. Il faut effectuer des dizaines de vols d'entraînement. Le plus important est d'apprendre et d'étudier attentivement la météo au moment du vol, afin de pouvoir connaître la direction et la vitesse du vent, les précipitations, etc. Pour effectuer un vol en toute sécurité. Au cours des 10 dernières années, les montgolfières sont de plus en plus présentes lors des programmes touristiques ou festivals. Actuellement, Hanoï a autorisé le vol de montgolfières sur 4 sites, dont 3 dans la ville de Son Tay et un site dans l'arrondissement de Tay Ho. Ce sera une nouvelle attraction touristique de la ville. Nous nous concentrerons sur le développement des produits touristiques en montgolfière, tout en perfectionnant la formation des pilotes et du personnel au sol. Nous organiserons des festivals et d'autres activités pour promouvoir le tourisme en montgolfière. Outre Hanoï, le vol en montgolfière sera exploité dans 55 provinces et villes, contribuant à la diversification des produits touristiques et à l'attraction des visiteurs cet été.
Imaginez découvrir la culture vietnamienne en tant qu'expatrié, mais entièrement à travers la langue vietnamienne. Au-delà de l'apprentissage du vietnamien à travers les manuels scolaires, il est possible d'en apprendre davantage sur la langue et la culture locale à travers des expériences pratiques telles que la fabrication du bánh mì, l'emballage du gâteau chung traditionnel ou l'offre d'encens dans les temples anciens. Dans ce chapitre, le Vietnam terre d'accueil, découvrons un projet à but non lucratif dirigé par des jeunes passionnés qui a aidé plus de 800 expatriés à explorer Hanoï au cours des deux dernières années. Xin chào cả nhà, tôi là Adam. Xin chào các bạn, tôi tên là Edgar. Tên tiếng Việt của tôi là Đức Lân Huy Luân, các bạn. Tôi tên là Johnny Klein. Voici un cours de vietnamien gratuit de Hanoi Explorer. Au lieu d'utiliser des manuels comme des cours typiques, ces sessions sont remplies de jeux provoquant le rire et d'aides visuelles attrayantes, rendant l'apprentissage du Vietnam à la fois amusant et facile. Les images expliquent très bien et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque session, ils organisent un jeu pour en apprendre davantage. Using the chopstick. Cette section, par exemple, c'est comme choisir des objets en utilisant des baguettes. Par exemple, dites comme, vous obtiendrez comme. Ce cours améliore beaucoup mon vietnamien, car non seulement on apprend quelque chose, mais il y a aussi des jeux. C'est vraiment bien pour nous faire aimer la leçon. Ce type de cours de langue pour expatriés à Hanoï a attiré plus de 800 étudiants au cours des deux dernières années. De jeunes volontaires vietnamiens organisent avec dévouement trois cours chaque samedi. Ils proposent un cours gratuit de 6 sessions pour doter les expatriés de connaissances de base en langue vietnamienne. Nos cours de vietnamien couvrent des sujets de base, notamment les salutations, les chiffres, les pays, les professions, les loisirs et les sentiments. Nous essayons de compiler des cours simples afin que les débutants puissent les apprendre et s'en souvenir immédiatement pendant la leçon. Apprendre le vietnamien est vraiment intéressant car c'est vraiment amusant. Nous mémorisons une grande partie du vocabulaire. J'ai appris à donner des directions, à commander de la nourriture, à dire bonjour et à faire des choses générales. Juste les connaissances essentielles pour demander le nom ou l'âge de quelqu'un. En tant qu'organisation à but non lucratif, nous sommes confrontés à des contraintes financières lors de la gestion des cours. Malgré ces défis, nous poursuivons le projet pour aider les expatriés à intégrer plus facilement leur vie au Vietnam. Les amis étrangers peuvent subir un choc culturel en arrivant au Vietnam. Ce projet va au-delà de l'enseignement de la langue vietnamienne. C'est un pont pour favoriser les amitiés et faire découvrir les cultures vietnamiennes et internationales. Diverses activités culturelles ont été organisées au cours des deux dernières années, notamment les célébrations du Nouvel An lunaire, de la fête de la mi-automne et du Noël. Notre projet vise à combler ce fossé et à faire découvrir notre culture aux expatriés. Par exemple, nous organisons des activités liées à la fête traditionnelle du Nouvel An lunaire du Tet, comme emballer le gâteau chung, pratiquer la calligraphie, participer à des danses traditionnelles et savourer des spécialités traditionnelles du Nouvel An. Nous pouvons nous faire des amis, faire connaissance avec des Vietnamiens et nous intégrer à la vie locale. Et oui, c'est une partie très intéressante. Vous pouvez voir ici des gens du monde entier. Interagir avec eux en vietnamien est un travail difficile. Et pourtant, c'est cool. Les enseignants et le personnel sont sympathiques et les boissons sont délicieuses. C'est gratuit, c'est génial. Non, ils font un travail incroyable. Je ne peux pas les remercier assez. Avec ses bénévoles vietnamiens dévoués, Hanoi Exploring favorise les amitiés et une exploration partagée de la langue et de la culture. Cette approche crée une impression positive sur les amis internationaux, mettant en valeur la riche culture du Vietnam et l'hospitalité de son peuple. Et voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.